Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, Rekhti Tita Sassi. Ces mots ont été prononcés par le président de la République, Indra Dwin, lors du lancement officiel de la réhabilitation de la route nationale 13. Les riverains l'attendaient depuis longtemps et les travaux doivent obligatoirement arriver à leur terme. Cette partie de la RN 13 reliant Mboumbé et Tolagnar sera appelée la route de l'unité. Les habitants d'Anjoui peuvent désormais espérer que ce mauvais état de la route ne sera plus qu'un souvenir. La route nationale 13, reliant Mboumbé et Tolagnar, a été un cauchemar pour ses usagers, comme Flavien, un transporteur. Selon lui, quelle que soit la période de l'année, cette route a toujours été difficile. La nationale 13 est également la route principale vers Mboumbé depuis Tolagnar. Son état endommageait les véhicules et le coût des transports en camion sont multipliés. En conséquence, le prix des marchandises sur le marché d'Mboumbé est toujours élevé. La réhabilitation de cette route est une promesse et un défi que le président de la République, Indra Dwin, a fait envers la population. Cela permettra le développement de ces deux régions. Il sera appelé route de l'unité. L'achèvement de la RN 13 est aussi un gage de sécurité. 114 km de route seront réhabilités et sera goudronnée. Des ponts seront également construits à Incarrière, Anjan Mount et Anjan Pissou. Deux stations de pesage y seront également installées. Dans les actualités également, tous les chanteurs invités au grand concert évangélique qui se tiendra ce dimanche prochain au stade Baréa-Mamassn sont arrivés à Madagascar. Il s'agit notamment de Ridzarasul Ndjaibé et du groupe Hillsongs France. Ce concert ouvert au grand public marquera le début des festivités dans le cadre de la célébration de la 62e anniversaire de l'indépendance de Madagascar. Indouniana Martina, Fitimiar Les portails du stade Baréa-Mamassn s'ouvriront dès 10h du matin le dimanche 19 juin prochain pour le grand concert évangélique. De nombreux artistes évangéliques seront sur scène lors de cet événement qui marque l'ouverture officielle du 62e anniversaire de l'indépendance de Madagascar. Ridzarasul Ndjaibé est l'un d'entre eux. Il a été spécialement appelé de France pour ce grand jour. 44 000 personnes sont attendues. L'événement est gratuit et est ouvert à tout le public qui sont invités à arborer les couleurs du drapeau national, blanc, vert et rouge. Hillsong France fait partie des chanteurs évangéliques spécialement invités à l'événement. Ils sont arrivés à Madagascar, prêts à se joindre au peuple malagasy. C'est un honneur pour nous, pour notre équipe, d'être ici et de pouvoir participer aux célébrations de l'anniversaire de la fête nationale de Madagascar et aux côtés de beaucoup d'autres artistes. Et on est vraiment, vraiment heureux et honorés d'être là. On était ici il y a 5 ans, pour la première fois pour la majorité d'entre nous. Et on a vécu quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Et on a beaucoup d'attentes pour ce que Dieu va faire lors de cet événement ce week-end. Et on croit vraiment pour quelque chose de puissant, quelque chose de significatif quand le président d'une nation choisit d'ouvrir les célébrations nationales avec une soirée blanche. Et donc on a vraiment une grande attente pour ce que l'Esprit de Dieu va faire dans nos cœurs tout d'abord et dans le cœur de chaque personne. Et on croit pour une chose nouvelle pour ce pays, un réveil spirituel chez ceux peut-être qui connaissent Dieu, qui sont peut-être éloignés de lui, mais qui vont pouvoir se rapprocher de lui lors de cette occasion. Et on sait que quand Dieu touche une vie, c'est tous les domaines de notre vie qui sont affectés et on veut croire à ça pour le futur de Madagascar. Donc, moi, comme on est très très honorés d'être là et on parle de. Voilà, il y a plusieurs noms sur cette affiche, il y a plusieurs noms d'artistes, il y a le nom de notre église, l'église du Song, mais notre espoir, c'est vraiment que le nom de Jésus soit élevé dans le Seigneur. Ces derniers et les autres artistes ne performant que vers 14 heures. Des dispositions ont été prises pour mieux gérer l'organisation. Des routes seront coupées autour du stade selon les explications de la CUA.
Et puis 15 cas de disparition de jeunes femmes ont été enregistrés ces derniers temps, selon les MONAT ce jour. Dans la plupart des cas, il ne s'agissait pas de kidnapping. À la veille de la fête de l'indépendance, les dispositifs de sécurité seront multipliés pour maintenir l'ordre dans le pays. On fait le point avec Secha Anjanas et Miravoula Sfiran. Les disparitions récentes de jeunes femmes n'étaient pas des enlèvements, selon les informations fournies aujourd'hui par les MONAT. Selon le rapport, la plupart d'entre elles étaient des actes volontaires, notamment des fugues. Malgré tout cela, l'enquête de la police pour découvrir d'autres raisons de ces disparitions est toujours en cours, selon le général Ravoua Vizaf Sambach, directeur de la sécurité et de l'information auprès de la gendarmerie nationale. Par ailleurs, les mesures de sécurité déjà en place seront renforcées selon le commandement de la gendarmerie nationale. Il a également soutenu que les disparitions des jeunes filles ne devraient plus avoir lieu, et cela, quelle que soit la cause. Aujourd'hui, les MONAT a tenu une dernière réunion pour formuler une stratégie de sécurité lors de la célébration de la fête nationale qui débutera le dimanche 19 juin. Dans les actualités sociales, le transfert des salaires des responsables auprès des universités publiques vers le budget général a été au centre des discussions mercredi dernier lors d'un atelier organisé au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Plus de 3 880 personnes sont concernées et leur salaire devrait être inscrit dans le budget général en août 2022. Selon les explications, ce processus est une solution à long terme au retard des salaires des PAT, mais surtout de prévenir d'éventuels détournements de fonds publics. Miravoula Sfiran. Les aspects techniques, tels que les différentes étapes de ce changement de statut, les indemnités de départ à la retraite et la gestion des PAT après le changement ont été abordés lors de cet atelier. 3 882 salariés issus des 6 universités, des 3 instituts supérieurs techniques et du CROUA sont concernés par l'inscription des salaires dans le budget général. Il y aura un guichet unique pour accélérer le traitement des documents. D'ici août 2022, leurs salaires seront inclus dans le budget général selon le DAF du Mesupress. Un projet de décret sera signé par les deux ministres, notamment le ministre de l'Enseignement technique et le ministre des Finances. Cela est déjà inscrit dans la loi des finances rectificatives 2022 et sera soumis au Conseil des ministres ce 24 juin. Cette décision est proposée par le gouvernement comme une solution à long terme au retard des paiements des salaires, mais surtout comme un moyen d'empêcher d'éventuels détournements de fonds publics. Côté sport, deux clubs de la catégorie féminine, Missa et THBC, et un club de la catégorie masculine, l'ASCO, représenteront Madagascar lors de la Coupe des clubs champions de l'océan Indien, ou CCCOI, qui se déroulera à La Réunion. Selon la fédération, nos représentants sont prêts à affronter cette compétition car ils se sont préparés depuis longtemps. Liv Ndjamananzar. Du 27 juin au 3 juillet aura lieu la Coupe des clubs champions de l'océan Indien ou CCCOI. La compétition aura lieu à La Réunion et en plus de Lot, La Réunion, Maurice, les Comores, Mayotte et Rodrigue, Madagascar seront représentés. THBC et Missa dans la catégorie féminine et l'ASCO dans la catégorie masculine représenteront Madagascar. La délégation malagasse est composée de 56 personnes, qui comprendra des joueurs, des arbitres, des entraîneurs et quelques membres de la fédération. Les efforts de la fédération pour participer à diverses compétitions internationales ne s'arrêteront pas là. On sait qu'il y aura de nombreuses compétitions, sans oublier le trophée IHF Zone 7 pour les catégories masculines cadets et juniors qui se déroule aux Comores du 26 au 2 juillet. En plus du trophée IHF Zone 7, il y a aussi la Coupe d'Afrique des Nations et surtout les Jeux des îles qui se dérouleront ici à Madagascar en 2023. En ce qui concerne les Jeux des îles, des inquiétudes se posent au sein de la Fédération malagasse de handball, étant donné que le calendrier des entraînements des athlètes n'a pas encore été publié. Ils appellent les autorités compétentes à se pencher de plus près sur la question.
Une fois leur visa obtenu, la délégation malgache quittera le pays le 23 juin prochain. Et dans les actualités internationales, la FIFA a dévoilé hier la liste des 16 villes hôtes de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. C'est la première fois de son histoire que la compétition sera partagée par trois pays différents. Les stades sélectionnés auront pour la plupart des capacités d'environ 60 000 personnes. France 24. 16 villes réparties sur trois pays, du jamais vu pour un mondial de foot. Pour cette édition 2026, la FIFA a vu les choses en très grand. Au lieu d'un seul pays, c'est un continent qui accueillera cette édition. Et pour la première fois, 48 équipes pourront participer contre 32 actuellement. Un appétit gargantuesque qui s'explique avant tout par des motivations idéologiques et surtout économiques. Vous êtes à la pointe sur beaucoup de thématiques, dans l'économie, dans le sport, etc. Mais en ce qui concerne le sport numéro un dans le monde, je parle du football, vous n'êtes en toute objectivité pas le leader en la matière. Et votre objectif doit être à terme de faire du football le sport numéro un dans cette région du monde. Jusqu'à présent, l'organisation d'un mondial avait toujours été confiée à un pays, sauf en 2002, avec le Japon et la Corée du Sud comme co-organisateurs. Avec trois pays, le défi logistique est sans précédent. Avec des stades de 60 000 places en moyenne, une édition sur quatre fuseaux horaires entre New York et Los Angeles et plus de 4 000 km de distance entre les villes les plus éloignées comme Vancouver et Mexico. En 2021, l'Euro de football organisé sur tout le continent avait montré ses limites en termes de récupération pour les joueurs et de coûts pour les supporters qui souhaitaient suivre leur équipe. De son côté, la FIFA assure qu'elle prendra en compte ces questions en évitant de faire voyager les équipes d'un bout à l'autre du continent. Reste une inconnue, l'impact écologique qu'aura une compétition de cette ampleur sur l'environnement. La Commission européenne s'est dit favorable ce jour à accorder à l'Ukraine un statut de candidat à l'Union européenne. C'est lors du sommet des 23 et 24 juin à Madrid que les 27 vont décider s'ils accordent à l'Ukraine ce statut officiel qui ouvre des négociations susceptibles de durer des années. C'est la première étape sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne qui nous rapprochera certainement de notre victoire, a écrit sur Twitter Volodymyr Zelensky, qui salue une décision historique. France 24. C'est un objectif affiché depuis la révolution de Maïdan en 2014 et la chute du pouvoir pro-russe en Ukraine. Aujourd'hui, Kiev se rapproche un peu plus d'une adhésion à l'Union européenne. La Commission recommande au Conseil européen, premièrement, de donner à l'Ukraine une perspective européenne. Et deuxièmement, de lui accorder le statut de candidat. Ceci, bien entendu, à condition que le pays procède à un certain nombre d'autres réformes importantes. Un soutien de la Commission, crucial pour l'Ukraine, qui ambitionne d'obtenir un statut de candidat officiel. Dans cette première étape importante, Kiev peut également compter sur l'appui de la France, l'Allemagne, l'Italie ou encore la Roumanie. Notre pays est prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour devenir un membre à part entière de l'Union européenne. Tout le peuple ukrainien partage cette ambition. L'avis consultatif de la Commission permettra aux 27 membres de l'Union européenne d'aborder la question d'une adhésion lors d'un sommet prévu le 23 juin. Toute décision devra alors être prise à l'unanimité. Certains pays, dont les Pays-Bas, le Danemark et la Belgique, ont émis des réserves sur la candidature de Kiev. Et bien que la France soutienne cette candidature, Emmanuel Macron prévient, le chemin vers une adhésion complète pourrait prendre des années. Oui, nous sommes prêts maintenant à vous reconnaître ce statut de candidat à l'adhésion. Mais nous leur avons dit, tous ensemble, avec la même franchise, ce processus va prendre du temps. Et donc vous ne serez pas membre demain de l'Union européenne. Kiev devra donc mener des réformes profondes pour satisfaire à l'ensemble des critères d'adhésion. Parmi les conditions d'entrée à l'Union européenne, avoir une démocratie et un marché intérieur stable, respecter les droits de l'homme, l'égalité des sexes et protéger les minorités de son pays. À titre de comparaison, la Pologne, au passé communiste semblable à celui de l'Ukraine, avait attendu 10 ans entre le dépôt de sa candidature et son entrée officielle dans l'Union en 2004. Et pour terminer, la France fait face à une canicule d'une précocité inédite.
avec des records de température attendus jusqu'à samedi, un tiers du pays en vigilance rouge ou orange, avec un thermomètre dépassant les 40 degrés. Face à ces fortes chaleurs, les personnes âgées sont très vulnérables. À Bordeaux, employés et élus font le tour des EHPAD pour sensibiliser les résidents aux gestes de prévention face à cette canicule. France 24. S'hydrater autant que possible et rester au frais. Dans cette résidence senior de Bordeaux, ses 50 habitants se préparent aux très fortes chaleurs. Je laisse le ventilateur en route, j'ouvre la nuit et je ferme aussitôt que je peux. Je m'oblige à boire parce que je ne ressens pas toujours le besoin. Je bois beaucoup d'eau, oui, ben, je fais attention. Oui. Depuis hier, la Gironde est placée en vigilance rouge canicule. Face aux plus de 40 degrés annoncés ce week-end, la ville se mobilise. Tous les plus de 75 ans sont incités à se signaler à la mairie. Elle prévoit des appels réguliers et des visites à domicile pour les personnes les plus isolées. Il faut passer quelques heures par jour dans un endroit frais. C'est vital. Parfois c'est eux-mêmes qui s'enregistrent, parfois c'est leurs proches ou leurs voisins qui disent « Ah, cette dame ou ce monsieur est vraiment très isolé, il passe des jours entiers sans sortir de chez lui ». Au total, dans l'Hexagone, 12 départements sont placés en alerte rouge. Les températures devraient retomber dès dimanche soir. Mesdames et messieurs, c'était les points essentiels de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après l'émission Data, présentée par Gérard Jamar, où il recevra comme invité le gouverneur de la région de Vaknagarach, Viva Turakutuvao. Au revoir et passez une excellente soirée à notre compagnie.